Salut, c'est Philman. Il est 22h. RFM se transforme en radio manœuvre. Tous les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Rockeuse, rocker, bienvenue dans Radio Manœuvre, bienvenue dans une émission de croisière affrétée par RFM en direction du rock le plus pur. Nous avons vécu une jolie semaine et vous allez avoir une super émission avec son lot de nouveautés, les Struts, les Dandy Warhol, les Black Crowes, et puis il y aura des rééditions, Alice in Chains, Air. Et en deuxième heure, nous parlerons du rock biker avec le journaliste et romancier Jean-William Toury qui nous a mitonné une sélection totale biker. Pour commencer, des nouvelles de Brian Wilson, et elles sont pas bonnes. Le bassiste et compositeur des Beach Boys a été mis sous curatelle. Une fois de plus, Alzheimer a frappé un des génies du rock. Mais Brian restera vivre dans sa maison avec ses enfants et nous dit un communiqué rassurant de la famille. Il pourra travailler sur tout projet de son choix. Pour démarrer cette émission, je vous propose Brian Wilson en solo. Année 80, ça s'appelait Love and Mercy. Rien n'a changé car cette chanson est d'une bouleversante actualité. Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Brian Wilson, Love and Mercy, le titre d'ouverture de son premier album solo. À l'époque, Brian Wilson avait donné une interview aux enfants du rock. Il était déjà un miraculé. Les Struts maintenant. Les Struts, ce sont le grand espoir du rock de stade anglais. Depuis une décennie, ils multiplient des premières parties prestigieuses. Ils ont notamment assuré en première partie des Rolling Stones, des Foo Fighters et des Guns N' Roses. Et voilà que pour démarrer dignement 2024, les Struts nous envoient une nouveauté baladeuse, le très modeste « How can I love you without breaking your heart ?» Je vous assure, c'est le titre. Precious time, you need a hand to hold me.
Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. C'était les Struts. How can I love you without breaking your heart? L'autre événement de la semaine, c'est la basse Hofner de Paul McCartney qui a été retrouvée par deux détectives du net. En fait, le camion de Wings avait été cambriolé en 1972 dans le quartier de Ladbroke Grove. La fameuse basse violon que Paul avait jouée à la Caverne ou au Star Club de Hambourg avec les Beatles avait disparu. Un instrument utilisé sur les premiers albums des Beatles en plus et sur le toit du dernier concert. Bref, nos détectives ont remonté une centaine de pistes et découvert que la basse avait été revendue à un tenancier de pub qui l'avait enterrée dans son grenier. Et puis le bonhomme était mort et son fils a rendu la basse volée au cher Paul. L'instrument, s'il était mis en vente aux enchères, nous apprend-on, commencerait obligatoirement à 2 millions d'euros et pourrait en valoir 5 fois plus. On va écouter Sir Paul jouer de la basse avec les Rolling Stones, déchaîné sur sa Hofner violon. Ça s'intitule « Bite your head off ». Avec sa basse Bite Your Head Off. Il n'y a pas que la basse historique de Paul McCartney. La basse de McCartney est sans doute l'instrument le plus connu au monde après le piano de Beethoven. Il y a aussi les Dandy Warhol qui sont de retour. Vous vous souvenez des Dandy, de leur concert fou à Paris qu'ils terminaient parfois à poil sur scène comme une fois à la Cigale.
Vous vous souvenez de leur copain David Bowie qui chantait leurs louanges, leur attitude de beautiful loser éternel. Eh bien, le nouveau single des Dandys combine tout ce qu'on aime chez eux. Ce mélange de rock psychédélique et indie avec des rythmes parfois synthétiques et des vocaux filtrés, tout y est, y compris le titre inoubliable « J'aimerais bien t'aider avec ton problème ». Mesdames et messieurs, voici les Dandys Warhol dans Radio Manœuvre, une grande première. « I'd like to help you with your problems ». Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était les Dandys Warhol
I'd Like to Help You, puis on va en rester là. Moi qui vous parle, j'ai écouté le nouvel album des Black Crowes en exclusivité. Les Black Crowes vont revenir, les frères ennemis se sont réconciliés. Un Noël, un Liam, voyez, c'est possible et c'est rock la réconciliation. Donc, le nouvel album des Black Crowes est total réglo, concerné, vibrant et jubilatoire. On n'avait pas entendu les Black Crowes avec une patate pareille en studio depuis Amorica. Les connaisseurs me comprendront. Voici un nouveau teaser sorti par le groupe, intitulé « Cross Your Fingers ». Tout juste révélé par les Black Crowes en attendant l'album « Happiness Bastards » qui sortira le 15 mars. C'est-à-dire que mon conseil, oui, c'est que vous restiez vivant jusqu'au 15 mars et après, les Black Crowes se chargeront de la suite. Call down lightning, rain and thunder, leave them ashes, all go under. Cross your fingers, somebody die. Cross your fingers, somebody die. Cross your fingers, somebody die. So cross your fingers. Écoutez Radio Manœuvre. C'était les Black Crowes, Cross Your Fingers. Grosse nouvelle, le rock a complètement inversé les tendances. Dans les années 70, le rock, chaque trimestre, c'était 30 nouveaux albums et un ou deux bouquins.
En 2024, c'est l'inverse. Le rock, c'est 30 bouquins par mois et deux albums éventuellement. En mars, on aura Liam Gallagher et les Black Crowes. Je vous raconte ce qui se passe. Bref, cette longue introduction pour en venir au fait. Ce mois-ci, au milieu de tous les livres sur le rock, boum badaboum, est sortie une bio de Pete Doherty. Ça s'intitule Un garçon charmant. C'est paru chez l'éditeur Le Cherche Midi et ça fait 480 pages tout de même. 480 pages que je dévore dans le TER Paris-Beauvais, ligne C17. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ligne, parce que Pete s'en charge tout le long du livre. Une vraie gare de triage, le nez de ce jeune homme. Bref, Pete fait carrément de la promo. Il est partout et ça m'a donné envie de vous repasser son tube immémorial. Voici les Baby Shambles avec Pete Doherty aux vocaux. Dans Radio Manœuvre, il nous interprète Fuck Forever. Fuck for ever. If you
13h minuit, vous écoutez Radio Manœuvre. C'était Fuck Forever par les Baby Shambles avec Pete Doherty au vocaux. Les Alice in Chains sont dans l'actualité pour une raison totalement bizarre. Figurez-vous que leur label privé a décidé de faire une édition du légendaire album Jar of Flies. Bon, bah jusque-là, rien à signaler. Ils ont décidé d'imprimer ce disque Jar of Flies en vinyle transparent. Bon, bah voilà. Sauf qu'il y a des mouches mortes prises dans le vinyle. Ils en ont tiré 366 exemplaires, vendus 126 $ pièce. Et c'est bien sûr épuisé, c'est le collector du mois, introuvable, hyper recherché, le disque des Alice in Chains avec des mouches dedans. Ceci dit, il y a eu des disques collectors avec un peu tout dans le vinyle récemment. On a eu un disque avec de l'urine, un disque avec des larmes, un disque avec du sang, et même, pour un album des Flaming Lips, un disque avec le sang de personnes connues. Dans mon souvenir, Nick Cave avait donné quelques gouttes de son sang pour être sur le disque des Flaming Lips. On écoute tout de suite Alice in Chains, Nutshell.
les jeudis, 22h minuit. C'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Alice in Chains, Nutshell, un extrait de Jar of Flies en hommage à cette nouvelle édition discographique avec des mouches dedans. On attend I'm a King Bee avec une reine des abeilles, on attend Walking the Dog avec des poils de chien, et War de Henry Starr avec un bâton de dynamite dans le vinyle, pourquoi pas ? Souvent, Bruce Springsteen a repris War sur scène et sur disque, mais cette fois, voici l'original de Edwin Starr, un numéro 1 Motown de l'an 1970. Et juste après, une reprise des Rolling Stones en mode bar texan début de soirée. Ce sera Paul Brady et les Forest Rangers. On écoute tout de suite Edwin Starr. To me. Oh, whoa. I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said, war, good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Let's get sad again. Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Shadow.
Voilà, c'était Paul Brady and the Forest Rangers, Gimme Shelter, un extrait de la BO Sons of Anarchy, encore une version mémorable de Gimme Shelter. En deuxième heure, nous allons reparler des bikers avec notre invité Jean-William Toury. Vous le savez, R a décidé de se reformer, R a décidé de donner des concerts pour jouer l'intégrale de son premier album Moon Safari. Est-ce que vous vous souvenez de Sexy Boy, le tube mondial qui passait non-stop sur MTV en 1998, l'époque où les machines ont commencé à prendre le pouvoir? On écoute R dans Radio Manœuvre. Tout le monde est entré, la cérémonie va commencer. Vous écoutez Radio Manœuvre sur RFM. Je
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était la femme sur la planche, la femme que j'avais présentée un soir à l'Olympia. C'était leur début. Je me souviens, Clara Luciani était dans les chœurs. Iggy Pop ne donne pas de nouvelles, rien, ni album, ni single, ni film, ni pièce de théâtre, ni pétition pro ou anti quoi que ce soit, voilà. Tout est dit sur l'actualité du bonhomme pop. Ce n'est pas une raison pour ne pas écouter l'Iguane de Detroit. Voici un titre produit par David Bowie, Real Wild Child. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. C'était Iggy Pop dans Radio Manœuvre, Real Wild Child. Cette première heure touche à sa conclusion. Et la conclusion, ce sera un groupe qui est apparu soudain sous le générique du cinquième épisode de la cinquième saison de Fargo. Une saison tellement bien qu'elle laisse tout le monde largué derrière. Et donc, après un épisode parfait, bourré de méchants idiots, avec une héroïne pour le moins combative, voilà que le réalisateur nous envoyait un titre des Allman Brothers, Trouble No More. Je vous propose de l'écouter en intégralité dans Radio Manœuvre.